Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, gros défi avec les abonnés. Le premier qui finit son tacos remportera un gros cadeau. Vous allez voir, c'est des équipes de deux, puisque tout seul, je pense qu'ils vont pas réussir vu que les tacos ils sont balèzes. On va vous présenter les duos, c'est parti. Je vais appeler le premier duo, les gars. Il y a un Algérien en plus dans l'équipe, je suis trop content. Premier duo, venez. Là aujourd'hui, je vous ai ramené. Vous êtes bien balèzes, bien costaud. Vous êtes chaud dans les tacos ou pas? Ouais. 2012, il a pris les petites. Vas-y, mets-les pour voir, mets-les pour voir. Oh là là, et là on a Farel. 2011, donc on a un 2011 et un 2012. En vrai, ça peut être pas mal. J'appelle le deuxième duo. Là, les gars, on a des cousins, ça veut dire qu'ils sont la même famille, le même sang, ça va être chaud à les battre. Isma, 2009 et. Ryan, 2013. Ryan, un 2009, un 2013. Ryan, tu manges bien, toi, d'habitude à la maison? Ouais, ça va. Ok, les gars, je vous inquiétez pas, ça peut être comme Irem, il peut faire des gros crocs. Hein. On va passer au dernier duo. D'avant, monsieur Amine avec le maillot du Real. Il y a qui derrière? Bellingham. Amine, t'as un 2000 combien toi? 13. 2013 avec Walid? 2009. 2009-2013, ok. Est-ce que vous êtes des bons mangeurs? Oui. Moi ça va. Ça va un petit peu, pas trop? Aïe aïe aïe, il fallait ramener un mec balèze. Tu veux que je vienne avec toi? Donc là les amis, il y a trois tacos. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a un tacos où il y a de Larissa. Donc il va falloir faire son choix. Vu qu'il y aura Larissa dans son tacos. Aïe aïe aïe. Je vais appeler Sway. Donne-moi un numéro entre 1 et 3. 2. 2. Numéro 2, tiens. Ta soeur, tu l'ouvrirais après. Ah, Larissa, il est encore dedans. Larissa. Donne-moi un numéro entre 1 et 2. 2. Ok, 2. Tiens. Et les gars, le dernier duo. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a marqué ici? Je vous remets Larissa, malheureusement. Ils vont avoir une minute, taper un maximum de tacos. Et on ira faire des défis. Ça va être une dinguerie. Amis, on va découvrir les tacos. Donc, premier tacos de Isma, fais voir. Dedans, il y a un peu d'Arissa. Fais voir la taille. Oh, ça va. Non, ça va, ils sont longs. Hein. Deuxième tacos. Est-ce que c'est la même taille? Faites voir si c'est la même taille pour pas qu'il y ait de triche. Ah, c'est pas la même taille. Ouais. Ils sont comme ça, Larissa. C'est comme ça. Hey, ils ont choisi entre 1 et 3 après. Les tacos, fais voir la taille, faites la taille, faites la taille. Ils vont avoir 30 secondes pour manger le plus rapidement possible. S'il y en a un qui triche, il sera éliminé. Donc lui, il a commencé, Isma. Ensuite, on a Swell contre Walid. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Un téléphone. Et dès que j'ai 30, vous arrêtez. Hein. 3, 2, 1, go. Ok, les gars, on est parti. 3 secondes. Waouh, il a mis un croc de malade. Il fait la technique de la bouteille d'eau. Swell qui a tout mis dans sa bouche. Walid qui a bientôt. Wesh, en 2 crocs, il a presque fini. Les gars, ça fait déjà 15 secondes. 15 secondes, ils arrivent plus à mâcher. Attention à pas vous étouffer quand même. Ouais, ok, bien joué. Lui, il mange, il boit, il mange, il boit. 20 secondes, il reste 10. 10 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. On n'a pas le droit de changer, on n'a pas le droit de changer. Non, je changeais pas, top. Oh les malades, vous voulez changer. Les gars, pour la première manche, on n'a pas le droit de changer. Swell, fais voir ton tacos. Il a cru que ça allait être facile, mais regardez sa tête, hein. Essoufflé. Moi qui a mangé et qui a bu en même temps. Ton tacos, il en est où? Ok, parfait. Non, là, ça, voilà, j'ai mal au ventre. J'ai tapé deux, trois crocs, mais c'était gros, mais... Walid, t'es déjà en premier. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le premier tour? Je sais pas, C'était quoi ta technique? T'as fait comment? Boire, manger. On va passer, les amis, au penalty. Il va y avoir un duo au goal, donc deux goals, et un mec qui frappe. Celui qui marquera 10 secondes supplémentaires pour manger le tacos, c'est un avantage incroyable pour gagner le cadeau. Isma et Ryan, vous êtes les deux premiers à tirer. Il va falloir que vous choisissez un tireur, les gars, parce qu'il y a deux goals. Je vous laisse décider. Juste parce que t'es le plus grand. Ouais. Walid et Amine, vous êtes deux au goal. Vous arrêtez le but, vous avez 10 secondes supplémentaires pour manger le tacos. C'est une dinguerie. Moi je vais mettre là et lui va se mettre là. Et comment vous allez faire s'il tire au milieu? En fait, s'il tire au milieu, faut pas qu'il marque. Gars, regardez, attention, il marque. Quoi, la technique, Isma? En force. Hein. Au hasard? Ouais. Isma qui va tirer en premier, ouais, va-t-il marquer? S'il marque, il a 10 secondes supplémentaires, c'est une dinguerie. Mais wesh, ils ont laissé un trou au milieu! C'est une dingue! Mais les gars! Ah, je vous avais dit quoi, les gars? Je buguais. Non, mais en fait, on croyait que c'était le. Le tout petit? Frère, il est plus grand, il va mettre un plus grand qui va tirer. Qui va tirer le pénalty entre vous deux? Il a dit, il fait du foot. Il fait du foot en club, toi tu veux tirer, t'es plus grand. Donc je sais pas comment vous pouvez faire. Vas-y, s'il te plaît, laisse-moi. Merci. Il a dit, je fais du foot, ça veut dire que s'il marque pas, c'est une dinguerie. T'as un bismillah avant de tirer. C'est vrai, t'as raison. Oh là, Wally, t'as dit il fait du foot en club, il marque pas, il assume pas. Ouais, j'ai stressé avant de tirer. Attends, faut dire un truc. Lève ta crampon. Lève. Ils sont troués, ces crampons. Lève ta crampon, laisse-moi voir. Ils sont troués, regarde. Ah, moi aussi, ça m'est arrivé. Tu penses que c'est à cause de ça? Il a pas les appuis. Dernier duo, Farel et Swail, maillot de l'Algérie, les gars, qui va tirer entre vous deux? Moi, vas-y, laisse-moi tirer, s'il te plaît. Vas-y, je tire. Ah, je sais pas, il veut tirer, et comme c'est un Algérien dans le cœur. Choisis ses deux goals. Tu veux? Les deux plus grands. Les plus grands, ça y est. Mais non, mais j'ai envie de tirer parce que là, je sais, je veux faire quoi. Va-t-il gagner 10 secondes pour son équipe? Quand tu veux. 10 secondes pour son équipe. Oh là là, je sais pas, je lui ai dit laisse-moi tirer, mais c'est... Tu mets le maillot de l'Algérie, Farel. Il faut donner 10 secondes à ton équipe. Du coup, là, sur les tacos, il va leur faire des bicros.
Là on va passer au deuxième tour. Vu qu'il a marqué au pénalty, tu vas commencer 10 secondes avant tout le monde. Les gars, vous allez avoir 30 secondes. Attendez 10 secondes. Hein. 3, 2, 1, c'est que Isma. C'est que Isma. Il a 10 secondes les gars, puisqu'il a marqué au pénalty. Vous le regardez. Vous mangez pas. Oh là là, Isma les gars, qui prend un bon avantage. Il lui reste que la moitié de son taco. C'est une dinguerie. C'est parti, tout le monde peut participer. Allez, c'est parti, Swell qui tape un gros coup. Oui, ouais, bien joué, bien joué. Excellent. Attention Walid, Walid, il en a presque plus. Bien joué Walid. Il faut taper un gros. Excellent. 5, 4, 3. 2, 1, stop. Ouais, Swale, il a fait une remontada. C'est la remontada de Swale. On doit piller sur ta cause, là, il fait un croc. Pour vous, qui va gagner? Qui va gagner pour vous? Swale. Moi, je l'aurais pris comme ça et je l'aurais mangé. Il n'y a pas de technique, juste on mange. J'ai tout donné. Quitte à vomir la vie. Amine, tu fais quoi derrière? Les amis, je vous rappelle au début de vidéo, il a dit qu'il mangeait pas beaucoup. Regardez l'état de son tacos. Il l'a déglingué. Swale, je vais voir ton tacos. Ok, et Isma? Isma, je rappelle, tu avais le tacos le plus gros de la vidéo, donc c'est super compliqué. Comment tu t'appelles? Oh, Zevadia. Zevadia, fais voir, t'es en train de... Oh, il a éclaté les frites, les gars. Pourquoi tu peux manger de tacos, toi? Parce que je suis allergique à la sauce fromagère. Les gars, il est allergique à la sauce fromagère. Si tu manges la sauce fromagère, ça te fait quoi? Après, j'ai des boutons, je mange. Ah, c'est-à-dire que je peux pas manger de tacos? Si, je peux en manger, mais sans sauce fromagère. Ah, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a de la sauce fromagère dedans? Ok, bah malheureusement il peut pas en manger. On essaiera de faire un défi avec une pizza, ok. On va passer à une épreuve numéro 2 pour avoir d'autres avantages. C'est deuxième et dernière épreuve pour tenter de gagner 10 secondes supplémentaires. Ça va être des 1v1. Il va y avoir un au goal et un défenseur. Si on marque et on passe, ça fait 10 secondes les gars. Ça va être vraiment vraiment chaud. Vous allez commencer à aller au goal en premier. Donc qui va au goal et qui défend entre vous deux les mecs? Moi je... Bien réfléchir, c'est important. Je défends, je suis défenseur. Ok, toi t'es bon au goal. Moi j'ai dribblé. Dribblé, tout à l'heure t'as dit tu sais marquer, attention t'as raté hein. Pied dur, ça passe pas. Bellingham, Bellingham le joueur du Real. Bien joué, maintenant la frappe, boum. Oh c'est arrêté les gars. Il est vraiment bon au goal, hein. Crochet mais la frappe, ah c'était dur hein. Donc là vous avez 10 secondes supplémentaires. Bien joué, t'es sûr que tu vas attaquer t'as dit? Je suis sûr. C'est parti mec, c'est parti, les lunettes de soleil les mecs. Avec les lunettes, oh passe mon jambe. Bien joué. Aïe, les gars, ça fait deux fois, il a ruiné son équipe. C'est à cause des lunettes. Depuis quand on joue en lunettes? J'avoue, il faut que je les enlève. Dernier duo, les gars, vous pouvez avoir 20 secondes de plus. L'attaque qui va au goal? J'attaque. Tu vas au goal, il attaque, ok, c'est carré. Non, les mecs, écoutez-moi bien, ils ont déjà 10 secondes de plus. Il faut que vous trouviez un goal et un défenseur. Farrell, Swell, Walid et Amine, trouvez un goal et un défenseur entre vous quatre là. Dans la vérité, je vais défenseur. Attends. Sûr, t'as raté le pénalty, le 1v5 plus la défense. Non, je défends. Bah, défends toi, qui est chaud au goal? Moi, je voulais en défense. Allez, Swale. Le père, il prend son temps. Attention, le gaucher. C'est un gaucher. Oh là là, c'est chaud. Bien joué. Oh, c'est arrêté. Il a trop voulu s'amuser. C'est pas grave. Bien sûr. Voilà, je me sentais chaud. Tu te sentais chaud, tu l'as éteint. Je voulais gagner 20 secondes là. Carré, les gars, c'est carré. Là, on va changer les binômes. Tu vas laisser ta place à Farrell. Est-ce que Farrell, c'est un bon mangeur? Ah, il tape des crocs, lui, je l'ai déjà vu. C'est un dinosaure mieux que moi? Mieux que tout le monde. Mieux que Myriam, mieux que tout le monde. Je vais t'éliminer tout de suite. Si moi j'aurais participé, il y aurait déjà plus de tacos. Pourquoi tu participes pas? On va demander ici. Les gars, qui fait les plus gros crocs de la côte familiale maintenant? Tunnel. Pour la peine, Farrell, vu que vous avez 10 secondes supplémentaires, je vais te rajouter des frites. Non, ah, fallait pas parler mal. Non, je rigole. Écoute, ça sera pas comptabilisé dans le temps. Ah, okay. Mais tu vas prendre une poignée de frites tout de suite. Bismillah, prends ta... Non, une grosse poignée. T'es un gros mangeur, vas-y, prends ta poignée, mets-la dans ta bouche. Voilà, comme ça, les gars. J'ai rempli un peu son estomac, parce qu'il dit, moi, je sais pas les plus gros crocs. Vous avez beau remplir son estomac, il faut tout manger. Je crois que c'est Obélix. Lui, ça se voit, pendant le ramadan, il venait, il prenait un sandwich, tellement il avait faim, il finissait tout en un coup. Ok, les amis, Farrell va commencer 10 secondes supplémentaires avant tout le monde. S'il te plaît. Ryan, ça va être quoi ta technique? Croquer où il y a le moins d'Arissa sur le côté. Où il y a l'Arissa Miskeni. À la fin du tacos, c'est là où il y a tout l'Arissa. Mais il y a un cadeau, mec, il y a un cadeau. 3, 2, 1, go. Farrell qui commence les 10 secondes. Oh, il va sûrement terminer. Il va sûrement terminer. 5, 4, 3, 2, c'est parti. Tout le monde rentre en jeu, les gars. Est-ce qu'on va faire la remontada? Allez, faut tout mettre dans la bouche et tout avaler. Attends, ne vomis pas. Prends ton temps. Pause. On a fait une pause parce qu'il est en train de pleurer, tu vas vomir. Fais une pause tranquillement. Tu sais pourquoi il va vomir? Parce qu'il a croqué, il a avalé tout. Écoutez, vous avalez tout ce que vous avez dans votre bouche. Et t'as des tacos. Donc tu penses que tu finis ça en combien de crocs? Deux crocs, ok. Voir ton tacos. En un croc. Oh, en un croc tu finis? Ok, voir ton tacos. En combien de crocs tu finis? 5. Ok, vous allez faire à la Delidelo. Le premier qui sort a le droit de taper un croc avant tout le monde. À la Delidelo. Oh! Attends. T'as le droit à un croc avant tout le monde. Tout de suite, c'est parti. Un gros croc. Go. C'est bon, on va commencer.
Attends. Là maintenant regardez l'état des tacos, les deux ils sont égalités. Ça veut dire en vrai, dès que ça va reprendre, ça va être une dingue. C'est de l'intrigue. Bah c'est le père, fallait gagner la délidélo, t'arrêtes. Eh réfléchis pas, tu mets directement dans la bouche. Fais une technique, tu mets tout d'un coup, t'as le tiré. J'ai besoin d'eau comme ça après j'avais. Ya Allah, mon gagne. Je rappelle que le but c'est le dernier qui a plus rien dans sa bouche, okay. D'accord. Ryan, vu que c'est le plus petit de la vidéo, il a eu le tacos à Larissa et le plus grand des tacos Ryan. En 10 secondes, tu me cites 5 fast-food, t'as un croc supplémentaire. Ah, c'est facile. Vas-y. Pizza, burger, tacos, kebab et. Un dernier. 3. Il l'a déjà dit, malheureusement. Oh là là. Il y avait les gaufres au poulet, il y avait les nanes. 3, 2, 1, go. Vas-y, pour finir. Stop. Victoire. On a gagné. Il a avalé sans frotter. Je vais vérifier. Attends, mais pourquoi tu bois? Parce qu'il avait déjà avalé, là. Il a déjà avalé. Ok, fais voir. Il m'avait bien montré juste avant, les gars, c'est confirmé. Ils ont eu le tacos le plus grand et ils ont eu de Larissa. Là, il reste de Larissa. Est-ce que tu peux taper un croc dans Larissa ou c'est dur? Vas-y, ok. Oh, wesh, oh, oui, ça pique même pas. Et moi, je déteste Larissa. Donc là, on va ramener un cadeau pour les gagnants. Bah voilà, je suis trop content, alhamdoulilah. Les dizaines pour gagner. C'est grâce à moi. Moi, je leur ai donné de la cannelle. Moi aussi. En fait, que j'ai mis dans ma bouche, lui, il l'a avalé. Nous, on avait le plus grand taco, c'est avec Larissa. Il aime pas Larissa. Alors là, les gagnants, il y a un cadeau. À l'intérieur de ce cadeau, il y a deux objets. Vous allez devoir partager les objets. Toi, tu vas prendre un objet, toi, tu vas prendre un objet. Donc déjà, qui a mangé le plus de tacos entre vous deux, à votre avis? C'est lui. Qui a mangé? Donc logiquement, c'est lui qui devrait choisir le tacos, mais vous êtes une équipe. Ok, je vous laisse déballer le cadeau. Les gars, regardez. On a premier cadeau, une veste d'entraînement, le bas de l'OM. On a un ballon et on a la tenue d'entraînement. Donc les gars, il y a deux cadeaux. Organisez-vous comme vous voulez. Qui veut prendre le ballon? Moi, je vais prendre le ballon parce que l'OM, c'est pas moi. Vraiment, j'aime pas l'OM. T'aimes pas l'OM? Et toi, tu veux le ballon? Je le laisse. Tu le laisses s'il veut. Donc tu as le ballon et toi, tu as le survet. L'OM, t'aimes bien l'OM? On supporte les clubs français, même si l'OM sont en Europa League, le PSG on est en Ligue des Champions. S'ils sont en Europa League, c'est les clubs français qu'on va supporter. Là, il a très très bien parlé. Hein. Donc les gars, je tiens à vous féliciter, vous êtes les rois pour l'instant. Et défi tacos. Bravo. Mais n'oubliez pas de mettre un gros like, abonnez-vous, la prochaine fois on va faire un défi de pizza. Vous êtes invité au prochain duel. Si tous ceux qui veulent participer, mettez-moi en commentaire et on choisira parmi les participants. Nous on vous laisse là, ciao.